mettre quand même au mot d'ordre, je pense que, au fil des négociations avec le nouveau préfet de police, qui n'a pas été recruté parce que c'était facile, hein, sinon ça se saurait, mais pour qui j'ai toute l'estime, c'est ton ancien préfet, Fiametta de Bordeaux. J'avais cru comprendre quand même qu'il y avait des endroits où il fallait pas qu'on s'arrête. Alors, les amis du gouvernement, ne vous faites pas d'illusions. On n'a pas pu s'arrêter devant l'Assemblée nationale ou devant le Sénat. Mais à midi, on a envoyé aux 577 députés et 300 et quelques sénateurs une petite lettre avec le baromètre, avec tout ce que vous faites aujourd'hui. Donc ils étaient finalement informés avant même que l'interdiction de manifester chez eux ne soit... Alors on nous a même dit à un moment, il ne faut pas manifester sur la place de la République. Et bah, pourquoi pas, on va aller aux Champs-Élysées ou aux places de la Concorde, mais là c'était encore beaucoup plus compliqué. Ouais, exactement. J'ose espérer, mais je ne le crois pas. Alors, je vais quand même être un peu honnête, même en tant que président d'APF France Handicap, où de temps en temps il faut être un peu filou, un peu malin. J'espère que toute forme de contestation, même pacifique, voire d'expression, n'est pas aujourd'hui...